السلام، مرحبا بك سير فوت بلوس. عسلامة. فيليسيتاسيون بور تا كونفوكاسيون avec les aigles. ميرسي. Bah ça fait déjà une année et demie qu'on t'a plus revu sous la tunique de la Tunisie. Ton sentiment, ton premier sentiment déjà. Bah, c'est vrai que c'est magnifique de retrouver l'équipe nationale après un an et demi. Donc je peux dire que merci à tous qui m'ont soutenu. Donc, Inch'Allah, mon retour sera un bon truc pour l'équipe nationale. Tu t'attendais un peu à cette convocation ou bon, c'est une surprise pour toi? Bon, c'est vrai que je ne m'attendais pas trop parce que bon, le championnat n'avait pas encore repris pour montrer ce que je pouvais faire. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait une celle d'avant celle-là. Où j'avais entendu que j'allais être appelé, mais j'ai pas été appelé, donc c'est une surprise comme je l'attendais aussi. D'accord. Dis-moi, mais tu l'as appris par le biais des journaux aujourd'hui, par style les radios, là, on t'a appelé avant pour te prévenir. Non, je l'ai su comme vous, par la radio et par les journaux. Sinon, je savais pas que j'allais être appelé. Mais tu ne penses pas que cette convocation elle vient à point nommé, surtout avant la CAN? Intégrer le groupe maintenant, ça donnera plus de chances pour aller en Afrique du Sud? Bon, c'est vrai que ça donne beaucoup de chances pour moi pour être parmi la CAN. C'est vrai que maintenant, ceux qui vont être appelés, c'est ceux qui vont faire la CAN. Donc j'espère maintenant faire un très bon début de championnat pour confirmer ma convocation en équipe. Allô, Inch'Allah, Ibrahim.